Professeur Lavoisier Junior, bonjour, comment nous y est? Bonjour Delphore, bonjour Vladimir. Bon, salut nous et m'a salué toute population haïtienne. Hein? Et c'est un plaisir pour moi avec nous de Radio Télé Éclair et surtout émission Peuple, qui c'est émission Micro-Vérité, côté vérité à Blaï, sur tout le pays. Moi, salut aussi. Et fatigable, vous salut, vous salut, dans tout le pays d'Haïti, qui a capté un travail colossal. C'est un plaisir pour moi avec vous matin là. Mon cher, merci parce que vous avez dit ça. Là, nous, certains que vous avez branché ou bien ou pas, n'a pas avoir des questions diplomatie avec les dernières décisions de ministre avec étrangère. N'a parlé de Madame Dupuy-Dominique. Qui vient ou même ou garder décision ça rapide, vite, professeur, et qui ça nous doit comprendre. Et merci, c'est une très très bonne question. Et tout d'abord, et lorsque une administration monte, c'est normal pour envoyer des signaux que, pour montrer que dans le chantier que la travaille, en quelque sorte, il y a du sérieux, c'est-à-dire que pour le capable Comme on dit, capter la travail, la conscience frapper. population, exactement. Mais ceci étant dit, faut nous aller plus loin, nous-mêmes en tant que des citoyens avisés, pour ne pas quitter nous prendre notre pour nos yeux sérieux, notre petit piège sérieux. Ce qui est important pour nous comprendre, c'est que le problème diplomatie haïtienne, c'est pas un problème simple. Okay? C'est pas un problème simple et c'est un problème, je vous dis, que des rapports publiés. Et nous connaissons comment nous mettons dans des administrations, dans des Ta diplomatie. diplomatie. En dedans diplomatie. Maintenant, nous connaissons, ce n'est pas une compétence politique, ce n'est pas une question de compétence, de savoir. C'est une question de militantisme avec népotisme. C'est ce genre de pratique de corruption, ça, qui mettait majorité 80-90% de monde en dedans administration, en dedans diplomatie haïtienne. Et nous pourrons, bien entendu, que l'ensemble des noms qu'on se cite là, et voir certainement Josué, Jean. Lénine, tout le monde, ou peut-être tout le monde, ça, oh, tout le monde connaît bien, c'est Claude Joseph qui nommait. OK? Bon, problème qui se pose, tout ça, Donc tout le monde sait c'est tout le Claude monde qui qui t'a cite nommé. aussi. Oui, c'est Joël Claude. Les voix Saint-Amand. Mais ça, pour prêter attention à elle, c'est que c'est pas seulement coupure là qu'a fait là, couper tête là. C'est qui est-ce qui va le remplacer yo? Et qui est-ce qui aimé? Ça, Et important. c'est. Oui, c'est là pour nous rendre compte, est-ce que c'est de la poudre aux yeux ou bien un bagage sérieux qu'a fait. Très bon. Je vais vous donner un exemple. Alors, on va remettre en question compétence. Et docteur Artus Weber, qui est extrêmement Oui, il va mettre à 10 Weber. C'est versé dans sa note capable de brûler dans la diplomatie. Alors, nous connaissons que c'est Claude Joseph. Il fut un temps, il était chef de cabinet de Claude Joseph en tant que ministre des Affaires étrangères. Et je veux dire, nous connaissons que Claude Joseph était transféré, était monsieur et ambassadeur au Canada. Maintenant, si nous regardons des indicateurs et ça qu'a fait, n'a point que nom Artus Weber pas mentionné. Non, il n'est pas parmi les gens qui a appelé. Maintenant, ce qui est important, et nous connaissons un dossier et passeport qui sous dos Claude, Andbouchit et Claude. So, maintenant, on a posé peut-être une question, à savoir, pour nous, dans cette toile fait, est-ce que Artus Weber a toujours été ambassadeur au Canada, ou bien il a transféré le Washington, ou bien New York? Très, très important. Mouvement, ça, c'est lui-même qui va révéler qui est-ce qui joue de politique qu'a fait là. Avait dit Et est-ce là, que nous prenons vous. le clair à partir de partisan. Là, nous arrivons dans côté, pas gain bien caché nos bruits là. Non, N'a pas clair qui pas est-ce qui rien. gain qui N'a met clé qui est-ce qui ministère qui derrière derrière monsieur décision. ça. Il y a quatre Madame, travail là. c'est bon. Et deuxièmement, N'a pas clair. nous allons vous voir chez nous pour nous garder qui est-ce qui va le nommer dans la position. Maintenant, commencez à garder bien les hauts gradés de parti EDA. Parce que comprenez bien l'enjeu qui est ici. Et c'est là tout problème, nous allons lier. Et aider, en quelque sorte, parti Claude là, où est ta major et il y a une frustration qui fait.
parce que en quelque sorte vous avez besoin en quelque sorte go yeah, okay, des renouvellements, il y a besoin des postes, il y a besoin des positions. Mm-hmm. C'est normal en quelque sorte couper ça, il y a coupé tête moun en dedans administration, en dedans diplomatie. Hein. Mais qui ça t'explique ça majorité nèg ça que nous ouais que madame Dupuis coupé tête là, c'est nèg en quelque sorte qui était lagué Claude dans période de transition quand il t'a fait face avec avec Ariel. Ceci étant dit, vous suivez toute Nexayo t'es la gué Claude. Mais il y a un seul qui a été qui t'a été fidèle avec Claude, c'est Arthur Soubert. Et c'est ça qui fait en quelque sorte. Moi j'étais sceptique. Ah bon? Moi j'ai dit mais écoutez, yeah, moi j'étais sceptique parce que. Avez dit non vous avez dit tout le monde ça qui l'a dit, mon qui t'es la gué Claude? Toute la gué Claude net. Dernier cas c'est la gué Claude. Et puis c'est oui, il rappelé alors que Arthur Soubert toujours été fidèle. Attendez, les Claude perd du pouvoir, Claude vient camper face à Ariel, tout monsieur ça pour qu'il me potion, ça vous fait, yo la gué Claude et puis il by allégeance yo joine Ariel Henry et qui fait Ariel Henry Kembe yo maintenant Claude en bon jouet OK en bon jouet Claude monter micro les Claude utiliser tout stratagème li gagne pour le prendre contrôle pour le côté li a là et puis qu'on y a pour vider nèg sa waté et puis pour le remplacer par regarder dans cadre des cadres au niveau de parti politique li a et en plus li Kembe Canada pour qui raison Canada. Comprenez bien pour quelle raison l'enjeu l'Ikebe Canada à Tisweber. Parce que dans toute négociation, c'est la Tisweber dans le Canada qui était fidèle avec Claude. Et c'est ça qui explique que présence parti politique aidé dans le Canada est fort. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah oui! Ah bon? Ah oui! Présence parti aidé dans le Canada très très fort. Et c'est ça qui explique que je dis ou pas ouais non à Tisweber dans l'islam. Parce que Tisweber n'a pas trahi. Donc c'est dit ou dit là, pour ce avoisé. Décision ça on va prendre là Claude Joseph innan yo leader yo oui suivez micro ah ils disent peut-être nous peut comme avec les diplomatie jusqu'à Claude Joseph mettre présent mettre game non c'est puni ça on va essayer de comprendre là oui la puni nèg pour avoir trahi presque pas de camper bon côté il y a le bail allégeance avec Ariel Henry c'est clair pas gars sortir de là et tout le monde connaît mais le problème qui se pose nèg te penser Claude fini. Yo te pensé Claude tombé à cause de Ariel. Mais de la guerre de Ariel. Non, yo la guerre Claude, y'a le bail allégeance sur Ariel. En pile joué à quitter Claude, Claude te pour contre lui, Claude te dans la rue, mais Claude te gagné, et c'est là ça Claude te dans dynamique de renforcement parti politique li. Maintenant, il te gagné d'autres individus qui rejoignent ni dans le parti politique là. Nous parlons de conseil de nègre récompensé. Par exemple, yon nan nègre que Claude récompensé en quelque sorte, c'est ministre défensement. OK qui c'est un gros responsable monsieur c'est un namoun qui t'est resté fidèle qui pas trahi qui t'est resté fidèle dans parti a et qui côté monsieur t'est qui t'est implanté parti a qui côté monsieur t'est implanté parti a même ou pas étonné Canada oui c'est Canada il était premier implanté oui c'est Canada monsieur implanté c'est Canada monsieur sorti c'est-à-dire que c'est là que monsieur bastion puissant l'autre bois, c'est à faire ouais et présence de Nexayo. Ou pas ouais, Arthur Soubert, il pas tombé et ou après aussi que il récompenser tout le monde qui était loyal à lui, il va continuer récompenser au cadre dans parti là qui loyal à lui qui t'a bataille avec pour le remplacer au niveau de la diplomatie haïtienne. Donc pour monde qui pensait là professeur, juste avant une seconde, pour monde qui pensait que ça qu'a fait là c'est contre Claude Joseph c'est pas gagné pour le ministère affaires étrangères à partir de ça on dit là nous ca clair Claude c'est lui qui a mené dans ça là jusqu'à présent mais tu me dis nous c'est sous-estimer le type. Le Claude est extrêmement intelligent. Claude a une intelligence politique qui est extrêmement fort et c'est un nègre quelque sorte qui toujours prêt pour le compenser pour récompenser loyauté parce que le monde monsieur si on est qui demande loyauté absolue et il est prêt tout pour punir pour punir monde qui doit être déloyal envers et c'est ça qu'on va assister là
Maintenant, ça t'a étonné, vous m'entendez nous dire que, bon, écoutez, Madame Dupuy vient de faire un travail colossal, et moi-même, t'es toujours été sceptique. Nous disons, nous avons trois joueurs qui ont mené game. C'est Claude Joseph, début au début. C'est Claude Joseph, c'est Gary Conny, c'est Madame Dupuy. Pas gars sortir de là. Et tous les trois, ils ont un joueur qui campait derrière eux. Tout le monde connaît ça. Qui citoyen ça? Mais m'a dit, m'a dit, jouer ça, les boum d'il. Parce que travail ça qu'a fait là. C'est travail, on jouait solide qu'a fait là. Tout à l'heure, t'as parlé du, comment il est, conseil présidentiel. Mounzao pas joué. Non, Mounzao pas joué. Non, Mounzao pas joué. Yo pas dans le game, non? Parce que, non, yo pas dans le game, non. Yo pas dans le game, non. Et d'ailleurs, c'est travail ça même qu'on y vient faire, c'est-à-dire récupérer l'appareil étatique là, c'est-à-dire que prendre contrôle toute bagaille et puis en quelque sorte mettre appareil étatique là au service de un groupe qui caché d'elle qu'on y a travaillé pour qui était proposé qu'on y au niveau de la communauté internationale. Ah ben bah nous deux trois dans éléments ça, on a équipe là, bah nous deux trois non. Non, nous t'as déconné du doigt, non professeur. Avec Banouye, là où tu m'as donné nous. T'aimes Banou bien. Ouais, gen aussi de jouer et cap déplacer pion dans l'ombre. Et next à yo, pour qu'on ait ces joueurs ça cap déplacer, faut garder des indicateurs qui expliquent aussi de changement qui fait dans le comportement et connie le comportement et Dupuy. Qui est souvent ce qui propose Dupuy? Bon, bah on est, est-ce que c'est pas Gary Conny lui-même? Non, c'est la motte. Qui fait c'est ça? La motte. Qui propose. Laurent Salvador, la motte? La motte qui baille Dupuy. Et de vous dire la motte, vous dites Claude Joseph, oui. Bon, oui, de vous dire la motte, vous dites Claude. Posez la voisine, Junior. Attendez. Vous suivez Miko Vérité. Et nous, 9h10 minutes, dans tous les studios de la radio Télé Éclair. Professeur Lavoisier Junior. Ou dit que matin, moun qui te proposé, qui déye choix, Dominique Dupuy, c'est Laurent Salvador Lamotte. Ou clés ou ça matin? Clés ou ça. De pour Madame Dupuy, ou est Claude, ou est Lamotte. Et Gary Conny connaît ça bien, et yo pas qu'à manger. T'as ou bien, pour nous comprendre un jeu qu'il a. Si nous avons répli qui fait yo, avec sanctions qui se baillent au niveau international yo, et pour qui raison c'est Canada, il n'y a pas moyen de jouer Canada. Parce que un travail colossal qu'a fait au Canada, parce que Canada est pour une sanction contre la mort. Un travail qu'a fait au niveau de la diplomatie à l'ambassade haïtienne au Canada pour pallier avec dynamique de sanctions. Et ce travail, ça, logique, là, c'est récupérer le gouvernement haïtien pour empêcher à ce que dynamique de sanctions ça n'a pas débouché sur un aspect pénal en dehors du pays d'Haïti. C'est tout l'enjeu politique qu'il a. Hein? Et c'est ça que tu as dit. Et au départ, n'a fait politique en surface, mais l'homme au pouvoir n'est pas l'homme de pouvoir. Gary Conny, c'est l'homme au pouvoir, mais c'est pas l'homme de pouvoir. Les hommes de pouvoir, ce sont les hommes de l'ombre, en quelque sorte, qui ont des accointances fortes et en quelque sorte qui ont tiré ficelle par derrière et qui ont décidé qui est pour Kembe, qui est pour couper tête, yo, en fait, en sorte que conseil de dossier pour yo pas jamais yo, parce que il y a des mesures pénales, il y a des sanctions pénales n'est pas faire face avec eux. C'est un grand jeu qu'a fait. Donc, n'a fini là, professeur. Ou dit, n'a pas le piclet. C'est qui est-ce qui va le remplacer Mounzao qui est rappelé là? Et là, papa le gagne débat. Papa le gagne dégagé, l'ombit encore. Là-bas, il a clé, n'a pas qui côté au sorti, dans qui secteur au sorti. Et là, politiquement, n'a pas à qui c'est tout en fait. Clé, moi-même, moi, bon, moi, bah, nous conseille ça. Al gade ou gade, et de yo.
OK? Et puis retendre pour nous aller nomination qui pral faite au niveau de la diplomatie haïtienne et puis nous pral rendre nous compte qui est-ce qui était derrière décision ça qui fait la journée aujourd'hui. Deuxièmement, garder pour nous être les a fait transfert Washington qui jouait il a voyé et puis nous rendre nous compte qui est-ce qui cachait derrière dynamique ça qui a fait la journée aujourd'hui au niveau de la diplomatie haïtienne. Merci professeur Lavoisier Junior. Merci, c'est un plaisir. Moi, salut et tel fort. Et moi, salut toute population. À très bientôt. Merci. Voilà. Ciao.